sur Twitter, moi aussi si vous voulez. Voilà, il n'y a plus Fusti sur le commentaire, je pense que tu peux le retirer. Et suivez aussi la chaîne de l'Extra Life Café et celle aussi de Baku sur Twitch. Et la mienne aussi, voilà, on continue la plus de pub. Mais c'est pendant l'échauffement, voilà. Je pense que. Ah non, échauffement, non, ça commence. Ça commence tout de suite, ça se marre avec la tronche. Voilà, on est parti là, c'est bon. Samus Peach, voilà, on est reparti sur une Peach. Celle de Swan est. Voilà, nerveuse, Nesty. Attention à Nesty, un très très bon joueur de Samus. On a eu l'occasion de le voir tout à l'heure contre Falco. Avec Fusty, c'était plutôt bien. Il se fait tard, c'est pas grave, on continue. Alors attention, là ce nerf de la. Voilà, le nerf de la pitch qui est trouvé sur cette Samus. Encore une fois, voilà, c'est des match-up de Nana ce soir. Hein. On est là. Ah, mais du coup, voilà, aussi, j'ai oublié Samus. Samus, on peut la considérer comme princesse ou pas? Non, elle est chasseuse de primes. Elle est chasseuse de primes. Techniquement, est-ce qu'on peut dire que c'est une princesse Chozo? Ça, je sais pas. Parce que, franchement. Dans Zero Mission, quand même, c'est un peu la chouchou des Chozo, alors. Voilà. Après, voilà. C'est, on va dire que c'est la petite. C'est pas le petit prince, c'est la petite princesse des choses. Et puis voilà. Donc, c'est pas dessine-moi une fleur, c'est dessine-moi un Metroid. Imagine. Ça va être drôle. Donc, du coup, déjà une stock prise par Swan Kiwi. Et déjà, les deux joueurs à soi, plus de 70%. Les deux. Attention. Anestique. Voilà, se fait maraver la tronche. Par ce Swan. Ah là là, voilà, et voilà. Le faux Astro, comme je vous l'avais dit, ça fait mal, ça fait très mal. Oula, attention, Astro, Down Smash, Down Air, le petit taux qui est utilisé pour contrer. Voilà, attention, mais ça joue très bien sur les plateformes, ça wave land parfaitement pour ensuite balancer un missile qui a été sidestepé par Swan. Attention. Ouh, le turnip qui ne peut pas être trouvé maintenant, mais le nerf qui a été pris. Voilà, le turnip encore une fois. Attention Swan, c'est très compliqué ce genre d'edgeguard. Tu peux te faire punir à tout moment, à tout instant, par ce bon Nesty. Le Nero. Et qui viendra récupérer la première stock de Peach. Nesty qui a déjà sa deuxième stock à 102%. Là c'est le pire. Là, il peut rien lui avoir de pire pour ce match-up là. Sur cette map là. À cet instant là. Mais c'était pas un souci, il peut se refaire, hein. C'est un BO5, rien n'est fini. Je sais pas, attends, Loser Quarter, c'est. Non, c'est BO3. Je pense que c'est BO3. Ce ne sera pas BO5. Parce que là, je pense qu'il est voilà, 21h19. Voilà, on va accélérer un peu les choses. Histoire de pouvoir finir vers 22h30, 22h. Plus tard, 23h, hein, comme d'hab, on va dire. Mais voilà, histoire de pas rentrer trop tard. Voilà, ouh, le Charshot qui est trouvé, mais. Pas assez au pourcent pour cette pitch qui a du coup crowd cancel ce missile pour éviter de se faire exploser, c'est pas mal. Ce Down Smash qui n'a été pas contré de la part de Nasty, ce n'est pas un souci, il peut revenir. Hop là, le turnip. Ouh, le double turnip qui passe. Et le trip, et ça prendra la stock. Mon dieu, Nasty a sa dernière stock contre Swan. Oh là là, c'est beau, c'est si beau. Le charge qui est chargé. Attention, il y a un turnip qui a été récupéré. Ah, qui a été jeté dans le vide. Et le Charshot qui ne tuera pas pour le moment. Il n'était pas assez près de la ledge. Ouais, attention, voilà, bonne protection de la part de Nesty pour éviter les turnips. Il avance, il cherche à balayer du terrain avec ses missiles. Il peut trouver un back air peut-être. Attention, hein. Ah, voilà, cette pitch qui vient de récupérer un back air et un forward air. Ah, le nerf qui a été créé. Pour contrer les tornipés, voilà le Charshot qui récupère sa deuxième stock. Sur Swan, c'est pas un souci. On est bon. Hein, Nesty. Hein, 70%, 77%, 87%, 99%, une stock. Ça peut se faire. Ouh, le Charshot qui passe. C'est le trail le plus pété que j'ai jamais vu. Turnip contre Charshot. Ça se touche les deux. Attention, encore une fois, ce turnip. Il devient turnip en anglais. Voilà. Ou ce Down Smash qui est trouvé. Les missiles ne connectent pas énormément sur Swan, ou alors il les crouch cancel très bien. Donc Nesty n'arrive pas à lancer son jeu comme il l'entend. Voilà. Il fait un kill pour les. Un side kill pour les retirer. Qu'est-ce qu'il fait? Il les arrête avec ses side kills. Hein, il fait comme le Falco de tout à l'heure. Non mais oh, calmez-vous monsieur. Voilà, dash attack. Voilà, le missile qui est trouvé pour mettre son adversaire dans une mauvaise position. Ouh. Ouh. Ouh.
Là, il y a 1-0 pour Swan. Ouais. C'est pas mal. Oh, c'était beau le vie. Ah, c'est très joli. Là. C'est... Ça doit être clapé, ça. Se clap, hein. Ah, c'était beau. Là. Oh, aïe, aïe. Ah, il revient de si haut pour l'emmener si bas. Il se dit, tiens, je vais l'emmener plus bas que ça. Dans mon Down Smash. Avec cette voix-là, tu vois. Genre, voilà, la bonne pitch. Donc, bon. Voilà. Et là. Donc. La Yoshi Story, attention à cette map. Anesti qui peut, je pense, mieux ou moins bien jouer sur cette map, je n'en sais rien. Je pense qu'en plus il pourra mieux zoner avec ses missiles, ce serait plutôt pas mal, on va dire. Paf, d'un tilt qui part sur un tilt, attention le turnip, le contre, hop, smash, turnip nerf, nice, passe. Ça va m'aider à récupérer cette bonne Samus. Cette bonne princesse de Zebes. Ouh, c'était très beau Zid d'arriver sur un berre avec ça. Hein. Il a réussi à contrer le missile et en plus l'attaquer. Donc ça c'était vraiment bien fait. Fallait avoir les balls hein, pour sortir ce genre de choses. Voilà, encore une fois, il passe au-dessus du missile. Swan l'homme qui évitait les missiles. Hein. Ah, c'est pas mal. Il arrive à lire dans le jeu des missiles, Nesty. Oh là là, déjà deux stocks perdus pour Nesty, 48% parce qu'il a crouch cancelé. Ah, la gueule de m'attaque. Attention, ce missile. Allez, oh là là, mais Swan arrive à contrer tous les missiles de Nesty. C'est affolant. Voilà, le wave dash, il est tout side smash, c'est pas mal. Ça offre des possibilités à Nesty. Nullement exploité avant. Aussi qui prend tellement cher, et ça viendra. Ouh, les tornips, ouh, la bonne tech. C'est bien la bonne tech. Voilà, très bien. Bon contre. Super. Missile. Nesty, 152%, très compliqué. Oh là là. Swan qui le campe comme jamais. Il récupère son tornip. Oh là là. Monsieur, c'est indécent. Ouh, il a tenté. Je pense qu'il a tenté un dance smash sur Randall. Mais Samus lui a dit non avec un B. Et du coup, s'est fait punir avec un Bakero en fin de stock. C'est plutôt. Et le nerf qui est trouvé. Très très bon. Attention à ce Upper qui buildera 14% sur cette Samus. Les temps ne sont pas trouvés. Nesty un peu dans la tourmente et qui a déjà réussi à arracher deux stocks hein, à ce Swan qui est telle la couleur du skin de sa Peach hein. Un petit serpent qui se faufile entre les missiles hein, entre les nerfs, entre les side tilt wave dashing, c'est voilà, il arrive à se faufiler entre tout ça et c'est pas mal. Voilà, ce d'un nerf et une combattère qui prendra l'avant-dernière stock de Swan. C'est pas mal. Nesty qui revient de loin dans ce match-up. Dans cette game, attention à ce père. Le turnip. Ok, le dernier pour revenir sur le terrain. C'est assez compliqué de. Ouh, et voilà. Le up tilt qui est puni. Bien, Wesh Swan. On est bon. Très, très bon. Très, très bon, là, monsieur. C'est très bien. Voilà, les joueurs sont en train de faire des bons kicks et ban et voilà. Donc on repart sur le Yoshi's. Nesty qui est à sa dernière game du coup. C'est Ya Tasso comme on dirait. Quelque chose, attention, ils font tomber leur casque, leur manette, il y a tout qui s'effondre. Tremblement de terre à l'extra life, en plein pari. Donc là, c'est à Swan du coup de bannir et à Nesty de pique. Quelle map a-t-il sélectionné? Ceci ne nous regarde pas.
Et voilà, les ch'tis, comme je vous l'avais dit, va partir sur Pokémon Stadium, histoire d'utiliser, voilà, ces petits spams de missiles pour histoire qu'ils soient confiants, voilà, histoire qu'ils se donnent un peu de peps dans cette game. Histoire de trouver surtout une ouverture de kill qu'il a travaillé contre cette pitch de malheur qui lui a pour le moment lui fait un peu baver. Il a lui en fait un peu bavé, mais c'est pas un souci pour Nesty. Je pense qu'il peut se refaire. Moi, je pense qu'il peut au moins arracher une game. Bon, c'est un peu compliqué pour Nesty. Non, mais voilà, il a proposé énormément de bons jeux ces derniers temps. Et voilà. Mais attends, du coup, Losers Quarter, ils font un BO5 du coup. Ah, bah ouais, c'est BO5. Je sais pas quel on va finir, mais c'est BO5. Je pense que c'était BO2, bon, bah, c'est bon, c'est pas très grave, je pense que Swan du coup devrait prendre cette game sans trop de soucis, il devrait pas avoir de reverse trio, bah, on l'espère, parce que 30 minutes de game à chaque fois c'est un peu chiant. Nesty, veux-tu péter la gueule? En tout cas, je suis assez curieux, enfin comment dire, pas curieux, mais je suis étonné de voir que Nesty en fait il vit bien comme il faut, parce que il y a 2 semaines il avait perdu en 1 heure. Il s'était imprimé à 1-2 face à Nesty, et là il est en train de mener 2-0. Je pense que voilà, je sais pas ce qui s'est passé en 2 semaines, mais Swan Kiwi a repris du poil de la bête. Ah ouais, mais là il est vert comme le kiwi, hein. Oh là là, mais cette punition instantanée. Regarde ça, mais ce zoning de Dieu. Oh, oh, ça remonte. Ouais, c'est bien vu là, le metteur console était absolument nécessaire. Bon réflexe de la part de Swan Kiwi. Ah ouais, là il fallait D.I.M. Là il fallait D.I.M. sur le terrain, sinon c'était mort. Ouais, attention. Aswan qui a déjà aussi 74%. Pour le moment, c'est la game la plus serrée qu'on ait eue, je pense. Ça ne touchera pas. Et voilà, la tondeuse qui ne prendra pas la stock pour le moment, mais qui est en bonne situation. Je sais pas quel coup Nesty a lancé, mais vraiment il s'est fait choper. Et ouh, le Stitch! Allez! Le Stitch a d'abord le bouclier et ensuite, eh bien, le corps de la Samus de Nesty. Et encore! Oh là 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 là, mais incroyable! 73%! Le build-up! Oh là là! Comment Swan Kiwi va-t-il edge guard? Ça fait. Non, avec une roll et à 100%, il aura mis trop de temps pour revenir. Mais c'est toujours compliqué pour Nesty. Plusieurs stitches qu'on voit apparaître dans cette game, c'est plutôt bon. Je pense qu'il y a, voilà, il y a un alignement des planètes, ils sont sous une bonne augure, un bon signe astrologique pour ce soir. Ah non, pas que, en vérité, Swan Kiwi, il faut absolument pas le laisser choper des navets parce que Swan Kiwi c'est le roi, il nous a chopé des Saturnes en pagaille et des bobombes et des sabres laser. Et je ne sais même pas comment le qualifier parce que est-ce que c'est le c'est un magicien, il chante tout. Alors, est-ce que c'est le Segata Sanchiro, ça c'est très obscur comme référence. Est-ce que c'est un Jedi? Est-ce que c'est un artificier? C'est... Avec tous ces bobombes, je sais pas. Tu vois, moi je pense, vu qu'il a un parapluie, enfin, vu que Peach a un parapluie, pas c'est Mary Poppins. Elle sort tout de son sac. Ouais, voilà. Voilà, Nesty qui prendra la deuxième stock. Sur ce... Oh Andrea, comment tu te vas? Allô. Voilà, on est déjà du coup à 179% pour Swan. Ouh, ce chercheur qui passe, attention c'est. La merde. Le nerf qui passe, attention. Ouh là là, le missile, qui est bon. Non mais en fait Nesty n'a qu'un missile, hein, au bout de son canon, il n'y a pas de missile, il a que les missiles mon gars. Attention à ce B. Un bon build-up de damage sur une bonne phase sur Swan qui récupérera du coup les bons damage à 81%. Ouh, ce bon notre ami pour contrer l'agression de la part de la Samus, c'est pas mal. Les petits turnips pour éviter les missiles. On l'agresse, on cherche une ouverture. Il a tenté un wave dashback pour faire quelque chose, mais il a plutôt fait un air gauche directionnel diagonal bas gauche, comme j'aime l'appeler. Ouh, attention à ce coup de cul qui ne passera pas. Et c'est la guerre qui trouvera l'avant-dernière stop de Swan. C'est très compliqué pour Nesty pour le moment qui est à 104% et qui va sans doute mourir sur ce prochain. Ouh non, c'est un air qui a été trouvé pour ce. Prémunir de l'âme d'une mort prématurée. Mais là c'est la mort, je pense, qu'il va frapper, qu'il va assassiner Samus dans pas longtemps.
Il ne faut pas commit, monsieur Swan. Il ne faut pas commit. Attention. Oula, attention. Ce drift inside était très complexe. Il ne faut pas. Ok, donc là, voilà. Ok, donc là, c'est Swan, ouais, voilà. Là, Swan le jardinier. Il ne faut pas laisser Swan faire ça. Il faut absolument pas le laisser faire ça. Mais de l'autre côté, bah, Nasty, là, ne peut pas approcher de manière safe. Là, il n'y a pas grand chose qui puisse faire. Exact. Et pendant ce temps-là, et ben Swan Kiwi, il tente et il tente et il tente la RNG. Sauf que la tenter. Autant de fois, ben ça passe au bout d'un moment quoi. C'est comme essayer de choper un Mewtwo avec une Pokéball. Ben oui, à force de tenter, et ben ça passe au bout d'un moment. Et voilà, comme tout. Et voilà, le nerf qui vient de récupérer la troisième game. Un 3-0 solide de Swan sur les styles.